the way that the prophetic word et la façon dont le mot prophétique comes into our life vient dans nos vies to take us into that which is eternal. Pour nous transporter dans le règne éternel. You have a touch of eternity today. Vous avez aujourd'hui une touche de l'éternité aujourd'hui. Amen. Amen. If you touch the prophetic, vous touchez le prophétique. You touch eternity. Vous avez touché l'éternité. Because when the word is in the Holy Spirit, parce que lorsque la parole est dans le Saint-Esprit, it makes us touch eternity. Elle nous donne la grâce de toucher à l'éternité. No, I said it wrong. I said it wrong. Donc j'ai fait une erreur en le disant. It lets eternity touch us. C'est en fait c'est l'éternité qui vient à nous pour nous toucher. Amen. Today eternity is touching you. Aujourd'hui l'éternité vient vous toucher. I said today eternity is touching you. Je dis qu'aujourd'hui l'éternité vient vous toucher. Amen. When I was on my mountain. Lorsque j'étais sur ma montagne. And Frère Clément talked about sécurisation prophétique. Clément a parlé de sécurisation prophétique. I said, God, what is this? Je dis, oh Dieu, ça c'est quoi encore? I even asked him, what is this? Je lui ai même demandé, mais de quoi il parle dans ce sujet? But I had to receive from God. Mais il fallait que je reçoive de Dieu. So, when I thought about sécurisation, donc lorsque j'ai pensé à sécurisation, the first thing that comes to me is protection. La première chose qui m'est venue, c'est la protection. But also, we say in English, mais également nous le disons en anglais, that we must secure the future. Que nous devons sécuriser le futur, l'avenir. Meaning we must bring the future, our plan, we must bring our present plans into future fulfillment. Ça veut dire que nous devons amener nos plans présents dans l'accomplissement du futur. And so in English this is what this means. Donc en anglais ça c'est ce que ça veut dire. And I think that there is a communion here. Je pense qu'il y avait une communion entre nous deux. Because this is really prophetic. Parce que ça c'est vraiment quelque chose de très prophétique.